opérateur de Marseille. Le travail du monteur consiste à assembler des images pour raconter une histoire. Et on travaille toujours en collaboration avec un journaliste ou un réalisateur, selon qu'on travaille pour le journal télévisé ou pour des magazines. La contrainte principale, c'est qu'on dépend beaucoup du travail qui a été fait en amont par le caméraman. Et il y a une contrainte aussi, quand on travaille pour le journal télévisé, qui est la contrainte temps. Parce qu'effectivement, il y a cette contrainte de diffusion en direct qui fait qu'on n'a pas droit à l'erreur. Et il y a l'adrénaline qui arrive à ce moment-là et on est comme ça très stressé, évidemment. Donc pour un sujet d'une minute trente sur un fait divers, il faut aller jusqu'à 20 minutes, un quart d'heure avant la diffusion du journal. Donc des fois l'envoi du sujet se fait à 10 secondes de la diffusion du sujet en lui-même, quoi. Donc c'est vraiment des états de... Voilà. On est en train de développer au sein de VST, là on est un peu cobaye, je crois, au niveau national, c'est sûr. On est les premiers à développer un système de cloud, en fait, pour être en réseau entre Ajaccio et Bastia. Ça nous permet d'être une vraie chaîne, enfin d'être vraiment en lien... tout le temps, quoi, 100% avec Ajaccio, et de pouvoir comme ça partager des éléments entre Ajaccio et Bastia de manière systématique. Et c'est une vraie spécificité de Viastel parce que c'est une expérience unique au niveau national. Donc du coup, ça en fait la spécificité. Après, je pense que si ça marche au niveau insulaire, ce sera certainement employé par d'autres, mais voilà. C'est un système qui existe déjà à la télévision espagnole, je crois. Et voilà. Mais en France, nous sommes les seuls. Sans Viastel, il y aurait eu moins de production. Du coup, effectivement, moins de besoins humains. Et c'est vrai que si Viastel n'avait pas existé, peut-être que j'aurais pas eu l'opportunité de développer mon activité, voilà, de monteur. Et c'est vraiment grâce à cette chaîne que je suis là aujourd'hui.